Les choses qui m'entourent ne valent plus.
que nous avons le Dieu tout-puissant, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs.
Merci Jésus. Et là, nous allons vous chanter que Dieu est fort dans le combat et sans guérir. Le Seigneur m'a mis à cœur que des fois, nous dans le combat, ça peut être de l'intérieur. Dans les luttes sont de l'intérieur. Et puis on raisonne, on dit pourquoi, ça n'a pas de sens, comment. Et ce que le Seigneur a mis très fort lorsqu'on chantait ce chant, Dieu t'a éteint. Un chaleur puissant guérir dans le combat. Et Dieu est déjà aujourd'hui que si tu as vu à l'intérieur de toi, des comment, des pourquoi, ça n'a pas du sens, mais pourquoi ceci, pourquoi cela. Dieu veut juste te dire que c'est lui qui combat pour toi. Il veut que tu puisses te reposer en lui. Et l'image qui m'est venue, c'est comme cet enfant, et puis les parents disent, oh, c'est l'heure de faire de l'eau, de mettre à l'école. Il est déjà, je ne sais pas, peut-être 21h, il faut éteindre la télé, il faut aller dormir. Et puis l'enfant dit non, mais j'ai pas sommeil, je veux encore regarder la télé et tout ça. Mais les parents disent non, tu dois être fatigué, tu as passé une grande journée, il faut que je te repose. Et puis, ils ont fait des fois une autre comme cet enfant, ils disent non, je ne veux pas me reposer, je ne veux pas dormir, je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire devant l'écran, toutes les activités. Mais après cette lutte-là, notre enfant va au lit, et puis il se repose, il dort, et les parents regardent l'enfant. Et puis on voit le sommeil récupérateur que l'enfant a pendant. Comment et pourquoi la logique et tout ça. Just let go to God. Et puis laisse-toi reposer dans cette voie d'amour, même si tu n'as pas de réponse au début. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, que le but, que le combat de l'intérieur, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te prier comme tu le demandes, Seigneur. Juste nous reposer entre tes mains. Et ce qui fait pas de sens pour nous, et toi, tu te connais, Seigneur, le rien qui te passe. Et ça n'a pas besoin de faire du sens pour que nous puissions nous reposer en toi, pour que nous puissions recevoir et accepter ta paix. Que ta paix soit en lui, Jésus, malgré ces situations. Nous te disons merci parce que tu es fort dans les combats. El Shaddai est ton nom, Emmanuel est ton nom. Tu es fort dans les combats et tu combats pour nous. Merci Jésus. Amen. Praise the Father, praise the
il a besoin de moi et moi seul. Quand je dis qu'il a besoin de moi et moi seul, je ne veux pas dire que les autres, il n'a pas besoin des autres. Mais parfois, on a tendance de regarder aux autres pour définir qui nous sommes. Mais c'est lui qui m'a défini, c'est lui qui m'a cherché. Vous savez, à Gédéon, quand il avait été appelé, il avait avec une très grande armée. Et puis, Dieu l'a dit, vous êtes nombreux. You are too many. Et il voulait que, il ne voulait pas que la victoire soit partie à cause des personnes, à cause du nombre de personnes. Mais il voulait que la victoire soit à cause du Seigneur lui-même. Que les gens ne vont pas dire, oh, c'est parce qu'ils étaient nombreux. Donc, toi, tu as été mis à cause d'autres personnes, mais c'était le Seigneur. Et vous savez, avec l'histoire qu'il est parti avec, je pense, 400 personnes. Et parfois, on a tendance à croire que oh, je vais participer quand tout le monde va participer. Je vais faire ça quand tout le monde va faire ça. Peut-être que je vais venir dimanche aussi quand c'est rond. Il y a des gens qui attendent pour voir que le nombre va grandir. Ils vont venir. Mais Dieu ne travaille pas avec le monde comme ça. Parfois, nous sommes entourés par une multitude des anges, mais nous ne le voyons pas. Et parfois, on manque des occasions parce que Jésus, le Saint-Esprit et Dieu sont présentés et nous avons négligé ça. Et nous essayons de voir où est-ce que je peux trouver. La majorité de toutes choses qu'on a besoin, parfois, se trouvent dans une place où nous ne voulons pas être. Alors que c'est ça la place de bénédiction. Je vais vous donner un exemple hier au travail, on a fait une sortie, on est parti chez les pommes, oui. C'était la première fois qu'ils étaient partis là-bas et puis on avait des bâtons très longs comme ça qui pouvaient les arracher là. Et puis on est arrivé à un arbre. Et il y avait beaucoup de pommes en haut. Et puis tout le monde regardait en haut, puis ils ont fini tout ça. Et puis ils disaient, oh, il y a plus de pommes. Mais moi là, je regardais de côté parce que l'arbre avait ses branches, puis descendait en plus jusqu'à la terre. Et quand tout le monde avait parti, moi je regardais, j'ai dit, il y avait beaucoup de pommes. Et je pouvais les ramasser comme ça, les prendre comme ça par la main. Et c'est là où j'ai appris le Seigneur à me parler. Quand tout le monde est allé regarder là-bas, ou dans la même direction, moi je te dis, regarde l'autre direction. C'est là où tout se trouve, la direction. Ce n'est pas que tout le monde est en train d'aller là-bas, qui pense qu'il va aller là-bas. Écoute ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Écoute ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Tu sais, tout le monde veut travailler au gouvernement, n'est-ce pas? Parce que tout le monde croit que c'est au gouvernement qu'il y a. Peut-être qu'il y a Dieu qui fait, que tu fais une autre carrière. J'ai rien contre avec les gens qui travaillent au gouvernement. Mon temps travaille au gouvernement. Donc, je ne veux pas être contre les gens qui travaillent au gouvernement. C'est juste un exemple simple. Mais parfois, on a tendance de croire que oh, ce que tout le monde est en train de faire, moi aussi je vais le faire. Même dans l'esprit. Oh, tu vois le don de l'autre personne. Oh, il faut que je puisse avoir ce don-là. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a la diversité. Dieu veut que tu puisses avoir quelque chose de l'autre. Ne sois pas jaloux que l'autre personne est en train de prospérer. Il y a tant beaucoup de choses que Dieu a créées pour nous. Beaucoup de choses que Dieu a créées pour nous. Alors profite et sois à l'écoute. Nous pas que tout le monde pour cette direction, moi je suis pour cette direction. Nous sommes à un moment de écouter vraiment ce que le Seigneur dit. Pour profiter, je vais aussi vous inviter que chaque matin, je ne suis pas là chaque matin, parfois je ne suis pas là dans la prière, de 6h à 7h. Mais nous avons beaucoup de bénédictions. Nous sommes bénis dans le Seigneur. Nous avons la lecture de la Bible. Nous prions ensemble. Là, tu peux être bien très confortable pour lui, tu peux te lever. Et peut-être que c'est là où le Seigneur veut que tu puisses avoir tes bénédictions. Tu n'as pas besoin d'attendre pour être ici le dimanche. Je vous encourage tout le monde et pour être ensemble pour louer le Seigneur. Est-ce qu'il y a des. Thank you.
Je pense pas que nous avons quelqu'un de nouveau ici en fonction de tout ce qui est de cet endroit. Nous allons passer au moment d'écouter la parole. Et je vais introduire la personne qui va partager la parole. Pour ceux qui ont été ici pour les trois, deux derniers dimanches, nous avons une série Heart of the House, cœur de la maison. On a déjà parlé sur le commencement qui, certains le dimanche passé, nous avons parlé sur la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous avons une sœur qui va partager la parole. Et pour ceux qui sont familiers avec notre sœur, c'est une sœur de prière. C'est quelqu'un qui motive vraiment à participer, que ce soit dans la prière. C'est quelqu'un qui aime prier, qui aime entendre du Seigneur. Et nous sommes vraiment bénis d'avoir quelqu'un qui motive à avancer. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a une motivation, non pas juste une motivation émotionnelle, mais une motivation qui vient du Seigneur. Amen. Alors, nous allons chaleureusement accueillir notre sœur Alice. Et je vais prier pour ce que le Seigneur a déjà préparé. Parfois, nous allons se remercier le Seigneur, prier au Seigneur pour cette session. Nous te remercions notre Seigneur pour ta volonté et nous te remercions pour notre sœur Alice qui est une bénédiction et qui écoute du Seigneur et qui partage le Seigneur de ce qu'elle entend. Nous te remercions Seigneur comment tu as toujours dirigé. Nous te remercions pour tes témoignages, même pour sa présence avec sa famille. La parole que tu as mis dans ton cœur Seigneur, qu'elle puisse nous toucher et nous changer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allô? Oui, oui. Donc, j'ai attendu pour le privilège qui m'est donné de pouvoir partager ma parole aujourd'hui. Le message que je vais apporter ce matin est essentiel à la vie chrétienne. C'est un message qui c'est le message clé pour grandir dans notre intimité avec Dieu. C'est un message très important. Alors je prie vraiment que nos cœurs soient tous ouverts et disponibles pour comprendre ce que le Seigneur nous dit. Et c'est un message dans lequel moi-même je suis en marche. Je suis en train de prier le Seigneur pour ça. Et quand je préparais, je disais, Seigneur, que ce message agisse d'abord dans ma vie, je vais être transformé par ça. Alors que je vais prier, je vais encore prier. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, tout au long de la semaine, tout au long de la préparation de ce message. Tu as été là, Seigneur. Tu as entendu ma prière. Quand je disais, Seigneur, touche-moi, transforme-moi. Je veux vivre ce que je veux partager. Je veux vivre ce que tu as à nous partager ce matin. Alors, Seigneur, je prie que ce soit moi ou tous ceux qui sont présents et tous ceux qui m'ont écouté. Seigneur, qu'on puisse le mettre en pratique, qu'on ne soit pas ceux qui se regardent dans le miroir et qui oublient, que ce ne soit pas un message de plus. Mais Seigneur, je prie pour ton onction, pour ta puissance, pour ton autorité, au nom de Jésus. Amen. 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 Quand est-ce que tu veux mettre le PowerPoint? J'ai dit à Célestin de m'envoyer son PowerPoint parce que c'est ce qui était là la semaine passée. C'est sur ça qu'on avait parlé. Donc, comme Gerson m'a dit, on a commencé une série Le cœur de la maison. Et pour moi, c'est la série Le cœur de la maison, c'est les fondations de la vie chrétienne. Et on avait commencé le premier message, la conception, parole, croire, par contre, cette première partie. C'est Gerson qui nous l'avait apporté, donc il nous a dit comment le Père nous aime. Dieu a toujours voulu avoir une relation avec nous. Dieu nous a créés pour avoir une relation avec nous. Mais malheureusement, Satan, le serpent, a réussi à tromper Adam et Ève. Ils ont péché et il y a une séparation entre Dieu et nous. Ils ont trompé en sémant le doute dans le cœur d'Adam et Ève en disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement? Et depuis ce temps, les ennemis sèment le doute pour remettre en cause la parole que le Seigneur dit. Et on a vu donc qu'à cause de ça, il y a eu la chute. Et ce plan-là passe par le salut en Jésus-Christ.
Et pour accéder à ça, notre rôle à nous, c'est de croire et de se repentir. Donc, la foi et la repentance. Quand on croit en Dieu, on demande pardon. Quand on croit, on a la foi, on se repent, on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Et la repentance, c'est juste. Ce matin, j'ai regardé la définition de la repentance. Parce qu'on a toujours l'habitude de penser que quand je demande pardon, c'est la repentance. Non, la repentance, c'est je demande pardon et j'arrête. C'est-à-dire, si je volais, je demande pardon et j'arrête de voler. Ce n'est pas que Seigneur, je te demande pardon, je continue de voler, je continue de voler, je continue de voler. Et penser que parce que j'ai demandé pardon, ça suffit. Non, je demande pardon et j'arrête. Et dans la définition que j'ai regardé dans le dictionnaire, ça disait un regret de ce qu'on a fait avec la promesse de réparation, avec la promesse de changer. Et je me souviens quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 18, 17 ans comme ça. Et moi, j'avais toujours trouvé ça normal que tout le monde mente. Mais le jour où j'ai prié pour demander pardon à Dieu, quand je me suis repentie pour une première fois, je sentais vraiment que mentir n'était pas bon. J'avais mal au cœur d'avoir menti. Et à cette époque-là, je volais souvent l'argent de ma mère. Chaque week-end, je ne sais pas si c'était chaque jour, j'allais dans le ma mère, j'attendais qu'elle aille aux toilettes, après je partais, je prenais l'argent. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, sans même que j'ai lu dans la Bible qu'il a arrêté de voler, arrêté de mentir, j'ai arrêté tout de suite. Je n'ai plus jamais touché à l'argent de ma mère, plus jamais. Donc, c'est ça qu'on appelle ce repentir. C'est-à-dire, je voulais, je demande pardon et j'arrête et tout. Donc, c'est ça la récompense. Et c'est ça qui arrive, non? Je crois, je réponds, je me réponds et puis je nais de nouveau. On a parlé de la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Quand je donne ma vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Et je veux croire que c'est ce qui m'est arrivé parce que au moment où j'ai décidé d'agir, j'ai arrêté de voler, au moment où j'ai arrêté de mentir, c'est parce que l'Esprit de Dieu est venu en moi. Ce n'est plus le même Esprit. L'Esprit de Dieu est venu en moi. Et je peux comprendre que tel est mal, tel est mauvais. Et aussi, quelqu'un nous a parlé du baptême d'eau. Le baptême d'eau est important. Je pense que peut-être ce n'est pas important. Non, le baptême d'eau est important parce que à cause de la personne qui a dit, la puissance et l'autorité qu'il y a dans la parole de Jésus, qui a dit baptisez au nom du Fils, du Saint-Esprit, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bon, à cause de l'autorité que Jésus a donné au baptême, le baptême est important pour nous. Donc, je crois, je me répands, je donne ma vie au Seigneur, on appelle ça la nouvelle naissance et je passe par le baptême. Donc, moi, aujourd'hui, mon message va porter sur la troisième partie, qui est la croissance. Et on avait fait l'analogie, quand un enfant naît, l'enfant est conçu, l'enfant naît et on doit prendre soin de lui. Il faut que l'enfant mange, il faut que l'enfant s'habille, il faut qu'on prenne soin de lui, que l'enfant peut grandir. Il y a des éléments essentiels à la croissance. Et c'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Il y a des éléments importants, nécessaires, si on ne les fait pas, notre foi va mourir. Et les éléments essentiels, il y a l'obéissance et la soumission au Saint-Esprit. Moi, je trouve que c'est vraiment la clé pour grandir dans la foi chrétienne. C'est l'obéissance et la soumission au Saint-Esprit. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, comment grandir dans notre relation avec le Saint-Esprit. Je vais laisser mon... quand je parle de la cité de l'autre verbe, donc la vie par l'esprit. Donc on va voir aujourd'hui la vie par l'esprit et entendre la voix de Dieu. Ces deux éléments essentiels, comme je disais. Si je marche par l'esprit, j'entends la voix de Dieu. Si j'entends la voix de Dieu, je marche par l'esprit. C'est vraiment lié. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, entendre la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Si on entend par la voix de Dieu, et je vais revenir là-dessus. Parfois, je me dis, comment entendre la voix de Dieu et tout. C'est les sept petites murmures, la salle des sept petites. Je me souviens d'un exemple concret. La première fois, j'ai vraiment senti que waouh, Dieu me parlait, Dieu m'a parlé. C'était un matin, on devait aller au travail. À l'époque, on allait au travail le matin.
À l'époque, on ne l'approchait pas dans ma main avec la bouteille. Je sais pas, c'est quand soit je l'ai frappé, soit quand j'ai eu vraiment une mauvaise attitude avec ce matin-là. Et j'étais dans la voiture. Qu'est-ce qu'on a fait dans la voiture? Et j'étais là. Donc je respirais encore la colère. Et j'entends, demande-lui pardon. Je dis quoi? Et puis je dis quoi? Demandez pardon. À cet enfant qui n'a pas écouté. Et je dis non. C'est n'importe quoi. Je dis à sa tête de m'évancer. La voix qui demande pardon, j'ai dit non. C'est elle. Et comment elle va apprendre cette erreur si je dois demander pardon? Ça, le travail, on a travaillé la journée passée. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit parle. Il parle doucement. Et il dit, il va jamais dire, demandez pardon! Non, moi, je demande pardon. Et quand une pensée ne fait pas de sens, c'est-à-dire que c'est contraire à notre logique, à ce qui est rationnel, je vous assure que dans la plupart des temps, peut-être à 90%, ça vient de Dieu, parce que l'ennemi ne va pas. Parce que les gens disent, oh, moi j'entends la voix de c'est l'ennemi. Pourquoi les gens entendent que c'est l'ennemi que Dieu, ça ne marche pas? L'ennemi ne va jamais ne plus pas demander pardon. Donc je ne peux pas penser que c'est l'ennemi qui m'a coupé. Depuis quand Satan me dit, va demander pardon à ta fille. Le rôle de Satan, c'est quoi? C'est de s'aimer la division. Donc si une phrase te dit quelque chose, te dit dans ton cœur que va demander pardon, ça ne peut venir que de Dieu. J'ai pas de mal, j'ai fait ma journée, puis je suis rentrée. Et le soir maintenant, je voulais la coucher sur le lit, on a commencé à prier. Après, mon cœur, je sens, je dis, ok, est-ce que tu as fait quelque chose que tu veux demander pardon à Dieu? Elle dit oui et tout. Est-ce que tu veux demander pardon? Elle dit non, je ne veux pas demander pardon. D'abord, j'ai dit, mais comment c'est pas vrai? Oh, tu es là, tu es pardon! La même chose. Est-ce que le matin je ne peux pas demander pardon? Je dis, oh mon Dieu, c'est vrai. Ça dit que Dieu me met ça en face. Et là, j'ai dit, ok, Seigneur, je te demande pardon. Et puis, je te demandais pardon. Puis, Seigneur, quand j'ai demandé pardon, elle aussi, elle a demandé pardon pour ce qu'elle avait fait. Et c'est comme ça qu'on a prié. Donc, c'est comme ça que Dieu va nous parler. Et je vous assure, tout au long de la vie, personne ici ne peut dire que Dieu ne me parle pas. C'est faux. Toutes ces paroles qui ne font pas de sens, va prier. Oh non, je ne pense pas, j'ai envie de voir une solution Netflix maintenant. C'est Dieu. C'est pas. Et il ne va pas parler autrement. C'est toujours les petites voix. Va prier, va demander pardon, va regarder, va saluer ton voisin. Et tout. Un autre exemple que je voudrais prendre qui m'avait marqué. Une fois, j'entends le Seigneur dire, donne 40 dollars à telle sœur. Et puis je suis comme, pourquoi je dois donner 40 dollars? Elle travaille et tout. Non, j'ai pas besoin. 40 dollars. Et puis je trouvais que c'était petit, insignifiant, 40 dollars. Moi, je suis donné 40 dollars. Je trouvais que c'était insignifiant. Je trouvais que c'était insignifiant. Je suis comme, oh, 40 dollars. Et puis, okay, le soir, on avait encore le prière. Je prends quand même les 40 dollars. Parce que je me dis, j'étais gênée en fait de donner 40 dollars, j'étais gênée. J'ai quand même mis dans ma poche, j'ai mis dans ma poche, j'ai dit ok, on va voir. J'arrive à la rencontre et tourne la moutrie. Après, je vais voir la sœur, je prends 20 dollars là-bas. J'ai dit excuse-moi, je ne sais pas, mais j'ai senti dans mon cœur que je devais te donner de l'argent. Je lui donne 20 dollars. Elle me dit oh mon Dieu! Elle me dit tu sais quoi? Toute la semaine, j'ai prié parce que je n'ai plus d'argent pour payer mon microbus. J'ai plus d'argent pour payer mon autobus. Je me demandais comment je vais faire quoi le travail ce soir et demain matin. Et je demande au Seigneur de m'aider. Et vraiment que tu me donnes ça, la paix est mise à pleurer. Et moi, je dis, oh, mon Seigneur, je vais prier. Et finalement, je donne tout. Prends les 40 dollars. J'avais dit, mon Dieu, je dis, oh, c'était 40 dollars. J'ai donné tout. L'autre, vous dites, c'est des exemples comme ça, j'en ai des centaines de choses à raconter. Et Dieu seul sait que j'obéis pas toujours. J'obéis pas toujours à cette voix. Et chacun de nous ici. Or, je vous assure, plus tu obéis, plus il te parle. Plus il te parle, tu obéis, plus tu grandis dans ton intimité avec Dieu. Et j'ai constaté que quand on stagne dans la vie chrétienne, ça veut dire que ta vie est là. C'est que tu n'entends plus Dieu, tu n'obéis plus. Et la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va se taire. Parce que
Oh, même pour qui avons des enfants, je ne sais pas après vous à Dieu, parce que les enfants, je suis encore le plus là, tu ne m'écoutes pas. Mais nous, tu étudies au bureau, par exemple, quand le chef dit à quelqu'un, une, deux, trois fois, il ne fait pas, il ne lui parle plus, il va voir quelqu'un d'autre, il dit, tu peux me faire ça et tout. C'est la même chose. Donc, quand le Saint-Esprit nous parle, il nous parle. Et je vous assure, avec l'expérience que j'ai dans ma relation avec Dieu, c'est toujours subtil. C'est toujours des petites paroles. C'est toujours, et c'est toujours pas demander pardon. La fête, si je me souviens une fois, à la capitale, au travail, à l'époque où on allait au travail, je m'en vais pour laver, pour déposer ma casse, et puis il y avait une ou deux sacs qui étaient sales. Et j'entends là de tous les sacs, les tasses. Et c'est donc, ah, si je me mets à laver les tasses des gens, ça, Seigneur, ça me dit, je dois laver les tasses tous les jours, je vais devenir la bonne et pour laver les tasses et tout. Et puis je n'ai pas oublié, je n'ai pas lavé, j'ai juste là, je suis sortie. Quelques temps après, je ne sais pas si c'est le même jour que je suis revenue, il y avait une collègue, elle avait sa tête, elle dit, tiens, je vais laver toutes les tasses. Ah mon Dieu, je me suis dit, waouh, voilà une, que je, à qui je suis en train de prêcher les manger, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dise que là, toutes les tasses, elle a lavé toutes les tasses et ça n'a rien de vrai. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. C'est de me montrer que voilà, cette femme, elle n'a pas donné sa vie au Seigneur, mais elle est prête à laver toutes les tasses. Et lui le sait. Et parfois, on pense que si Dieu me demande ça une fois, ça veut dire qu'il va me demander ça tous les jours. Non, c'était ce jour-là et je ne sais pas ce que Dieu voulait faire. Il m'a dit, là, ma tasse, je ne vais pas laver. Donc, je t'encourage vraiment. C'est-à-dire, si vous pouvez retenir une seule chose, mais il y a tout son nom, c'est plein de choses à dire. Mais peut-être, je ne vais pas aller dans tous les diapos, mais vraiment, c'est d'obéir, je vous assure. Moi, je prie, un de mes objectifs cette année, c'était obéir promptement à Dieu. C'est vraiment, c'est ma prière pour cette année, Seigneur. Je veux grandir dans mon obéissance. Parce qu'à un moment, j'ai compris que je gagnais dans ma vie, c'était parce que je n'obéis pas. J'obéis pas toujours, parce que plus tu obéis, plus Dieu te parle, plus Dieu a du plaisir à te parler, à te confier des choses, parce qu'il sait que tu vas le faire. Quand Dieu te confie des choses, il sait que non, je vais te dire à l'autre, parce que je sais qu'elle va obéir. Et j'ai une autre histoire, parce que Dieu va me soulager de cette aujourd'hui. Une autre histoire tragique, celle-là, je dis vraiment tragique. Donc, j'avais perdu mon oncle décédé. Quelques temps après, mon oncle est décédé, sa femme est partie au village, on a fait les cérémonies, j'avais parlé à sa femme avant, je l'ai appelé, on a causé ensemble. Après, quand ils sont revenus du village, tout de suite j'entends, appelle ta femme pour prier avec elle. Ok, je dis, oh, ah ok, non, je dis non, ça fait une semaine, elle est revenue, je vais la laisser se reposer, la semaine passe, appelle ta femme pour prier avec elle. Je regarde, oh, il est 6h Cameroun, peut-être le marché. Il est 18h Cameroun, peut-être le marché. Lundi, mardi, mercredi, appelle ta femme. Jeudi, appelle ta femme, il dit, oh, ok, je vais faire ça lundi. Samedi, on m'a appelé pour me dire que ma tante est décédée. J'ai tellement pleuré, Je ne dis pas que si, je ne sais pas ce que ça aurait fait. Si je l'avais appelé prier avec elle, je ne sais pas. Mais j'ai tellement pleuré, je dis Seigneur, je te demande pardon. J'ai renvoyé toujours, Et ça, et la voix n'avait pas chanté, parce qu'il n'y avait pas comme c'est plus si je appelle la non, c'était toujours la même voix. Appelle ta femme, tu pries avec elle. Appelle ta femme, tu pries avec elle. Et j'ai tellement pleuré, j'ai demandé pardon. J'ai dit, mais c'est honnêtement, je n'avais jamais pensé que deux semaines après ma femme mourait. Elle était en forme, elle était en santé. Parce que chez nous, quand quelqu'un dit c'est deux semaines après, trois semaines, en fait, ce qu'on appelle la neuvaine. Donc, on va partager ses habits et tout. Donc, elle s'apprêtait pour cette cérémonie. Elle avait même déjà acheté les poissons qu'elle avait nettoyés, la viande qu'elle avait mis dans son congélateur. Donc, elle n'avait pas l'intention de décéder ou de mourir parce qu'elle avait encore des enfants. Donc, pour elle, ils ont laissé ses enfants sont dans la vingtaine. Donc, pour elle, elle allait s'occuper de ses enfants. Donc, elle était décédée. Et je me suis dit, je ne sais pas ce que ma fille aurait fait. Peut-être que je l'aurais encouragé, peut-être que je l'aurais fait ceci, peut-être que je ne sais pas, je l'aurais compris au Seigneur. Mais j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu.
et je sais que Dieu m'a pardonné. Mais je vous encourage, dans mes larmes, je disais, Seigneur, j'espère que tu as trouvé quelqu'un d'autre pour lui parler. J'espère. Et j'ai compris ce que c'est que quand je parlais de l'obéissance, au prompt de l'obéissance, c'est ça. Donc, des cas comme ça vont arriver, mais Dieu est bon et vraiment, je vous encourage à. Quand vous entendez cette voix qui vous dit demande pardon, parfois il faut s'humilier. C'est jamais facile, en fait, c'est pas toujours facile. Parfois il faut s'humilier, mais parfois il faut le faire, on ne sait pas. Ça donne la vie, ça encourage et tout. Donc, ma tante est décédée, j'ai prié le Seigneur et je me souviens des autres fois quand ça me dit, prie pour que j'appelle tout de suite. Merci, c'est resté dans mon esprit, je vous assure. C'est quelque chose qui, chaque fois que j'y pense, ça m'a tellement le décès de ma tante. Parce que je sais que Dieu m'avait dit, appelle ta femme pour prier avec elle. C'est vraiment pour prier avec elle, pour m'encourager et tout. Et parfois dans le flot, les femmes peuvent sortir et tout. Donc c'est comme ça qu'elle est une jeunesse, même pas qu'elle n'a pas 60 ans. Elle est moi, je peux te décider comme ça. Donc, c'est ça. Si on veut grandir avec Dieu, si on veut grandir plus dans notre foi, il faut entendre la voix de Dieu. À quoi ressemblait, je veux dire mon sort, à quoi ressemblait la vie par l'Esprit, Jésus, que signifiait pour lui marcher par l'Esprit. Donc, on va aller à Luc 3, 21. Est-ce que je dois le mettre ou c'est pas ce qu'il a demandé? Ah non, je ne veux pas vraiment. Ok. Dans Luc 3, 21, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut baptisé aussi. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Merci, s'il te plaît. Le ciel s'ouvrit. Oui, est-ce que je peux mettre la suite parce qu'on a coupé. Le ciel s'ouvrit. Et je pense que de la bataille d'un ange, le Saint-Esprit. Oui, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix qui entend du ciel ses paroles, c'est mon fils bien-aimé, en quoi j'ai mis toute mon affection. Donc c'est pour dire que même Jésus, en fait ce que je voulais illustrer par ce passage-là, c'est que quand Jésus a commencé son ministère, il a été baptisé du Saint-Esprit, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Lui qui était supposé, il a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est pour nous aussi, pour nous encourager à être baptisé du Saint-Esprit, à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tantôt, ça c'est ma conviction. Je crois que quand tu deviens chrétien, quand tu donnes ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Parfois, tu peux recevoir en même temps le baptême du Saint-Esprit, mais parfois le baptême du Saint-Esprit peut venir un peu plus tard. Mais je sais une chose, c'est ayant l'Esprit de Dieu en toi, si tu lis ta Bible, si tu pries, c'est-à-dire tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu vas être baptisé du Saint-Esprit de nos pas. Parce que c'est cette proximité avec Dieu. Donc quand la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit là. Et je pense que c'est dans Éphésiens. Éphésiens 5:18, que je vais chercher, je n'avais pas mis un point malheureusement. Je vais chercher Éphésiens 5:18, qu'est-ce qu'il dit? Ok, dans ma version, ça dit, ne vous enivrez pas dedans, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ça veut dire que moi, je dis ça, qu'on n'est pas rempli par l'Esprit une seule fois. Tous les matins, vous pouvez prier, Seigneur, remplis-moi de l'Esprit, remplis-moi, soyez constamment rempli de l'Esprit. Donc, de toujours demander au Seigneur d'être rempli par l'Esprit. Donc, c'est ce que je disais, que même Jésus a été baptisé par l'Esprit, tout commence par le baptême de l'Esprit. Donc, vraiment, de recevoir le Saint-Esprit en nous. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va également Luc 4, verset 1, point. Luc 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Quand on est rempli du Saint-Esprit, une des caractéristiques, c'est qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit. Et j'ai un verset à Galates 5:13, je ne l'avais pas marqué, je vais le lire. Je ne l'avais pas marqué, mais je vais le lire dans ma Bible. Galates 5:13.
Tu as le verset. Ouais, non, oui, c'est non, c'est 25. C'est 25, alors c'est 25 qui dit, puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ça veut dire qu'on a le choix. On peut refuser de se laisser conduire par le Saint-Esprit ou on peut accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Le verset dit laissons-le. Donc c'est un choix qui nous revient. Est-ce qu'on va laisser le Saint-Esprit conduire notre vie? Est-ce qu'on va se soumettre à cette foi, à cette petite, à cette voix qui nous demande de faire ceci, de faire cela? Est-ce qu'on va accepter? Si on accepte cela, le Saint-Esprit va accepter de nous conduire. Sinon, le Saint-Esprit va se diriger. Non, je ne crois pas, oui, d'accord, ok. Donc, on a lu, on peut lire maintenant dans Romains, je vais lire Luc 4, pardon, Luc 4, verset en avant, on va lire Luc 4, chapitre 1. Luc 4, ok. Donc, c'est ça que j'avais dit dans Romains, Jésus en vue du Saint-Esprit, le vin du Jésus, il se conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, j'avais déjà expliqué qu'une des caractéristiques, c'est qu'on est conduit par le Saint-Esprit. J'avais lu dans Galates qui nous demande de laisser le Saint-Esprit conduire notre vie. On peut aller dans Romains. J'avais aussi mis Romains, est-ce que je me souviens de ce que j'avais dit? Romains 8, 14 à 16. Je vais aussi lire Romains 8. Romains 8, ok. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions à ma paix. Donc c'est ça que moi, comme je l'ai dit tantôt, je crois que quand tu reçois l'accept de Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Et plus tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie, c'est ça que la Bible dit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On laisse le Saint-Esprit conduire notre vie. Et plus on laisse le Saint-Esprit conduire, plus on entend écoute sa voix, plus on est sensible à son obéissance, plus on grandit. Amen. Une vie comme ça, là, je vous assure, est excitante. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans une journée que tu ne connais pas. Parce que quand tu obéis à Dieu, ta vie ne peut pas être plate. Il y a tellement de choses qui vont t'arriver, tellement de choses et tout. Moi, je me souviens, parfois, je vais courir, une fois, j'allais courir et tout, et puis je m'arrête, et puis je sens dans mon prochain, je me dis, prie pour telle personne, et j'arrive, ma tâche, c'est bonjour, comment allez-vous, vous allez bien? Oui, je m'appelle Alice, j'ai envie de prier pour vous, j'ai senti dans mon cœur que je devais prier pour vous. Est-ce que vous avez quelque chose pour lequel vous voulez que je prie? Et avec ça, j'ai des témoignages et des témoignages, j'ai vu des gens pleurer dans mes bras. Quelqu'un m'a déjà appelé un ange. Vous êtes un ange. Imaginez quand tu commences à l'oublier que quelqu'un t'appelle un ange, tu ne sens pas bien. Tu es avec ton mari. Donc, j'ai des histoires comme ça. Et j'ai même un de mes voix, un monsieur qui m'a été dans mon truc. Une fois, c'est lui qui est venu vers moi. Ah, vous êtes toujours souriant. Je n'ai pas besoin d'aller frapper. Je n'ai pas besoin d'aller ici, mais bon, ok. Ça va, pourquoi c'est chic? Donc, et ce matin-là, je prie encore pour lui. Chaque fois qu'on se voit, c'est parce qu'il a le cancer, donc je prie pour m'en trouver. Donc, il y a plein de choses comme ça. Je vous assure, une vie remplie de l'esprit-là. Ce n'est pas seulement, je veux dire, pour nous sentir bien. Je veux dire, c'est excitant. C'est-à-dire, quand tu te touches le soir, tu sais pour, tu as envie de rendre grâce à Dieu pour quelque chose, tu as vécu quelque chose avec Dieu. Ça peut être appel tel, appel ceci. Et c'est pas seulement avec les chrétiens, même avec les non-chrétiens. Je vous raconte une autre histoire.
Une autre fois, je suis en train de prier. Je priais chez moi. Et puis j'ai senti qu'à l'époque, j'étais en train de Québec et puis que Miel allait dans une galerie. J'ai senti que je dois prier pour sa directrice, la directrice de la galerie. Je commence à prier pour elle, à prier. Et puis là, dans mon corps, je sentais qu'il fallait que je lui dise. Ah, j'étais toute tremblante. Après, j'étais dans mes débuts, quoi. J'avais peur. Je me dis, comment est-ce que je vais aller lui dire et tout. J'avais peur. J'ai dit, ok, Seigneur, si je la trouve, c'est que tu veux que je lui parle. Si je la trouve, parce que c'est que je lui parle. Je vais lui parler, je vais lui parler. Et puis, j'étais dans mon bureau, dans son bureau. Bonjour, vous allez bien, oui. Et vous, oui, j'ai quelque chose à vous dire. Excusez-moi, mais ce matin, et vous êtes venu dans mon cœur. Et j'ai prié pour vous et tout, tout, tout. Elle me dit, waouh, merci beaucoup. Ça fait, j'étais en train de chercher la direction. Je me demandais, est-ce que je dois partir d'ici, ça? Je sentais que c'était lourd, mais j'avais peur. Mais ce que tu me dis là, ça vient vraiment de me conforter. Et quelque part après, non, je pense que sur le coup, elle m'avait dit merci, elle est partie. Je pense que sur le coup, elle m'avait dit merci, et puis je suis partie, je savais pas. C'est après qu'elle m'a appelée pour me dire ça, et que avec la parole que je lui avais dit, ça lui a donné le courage de démissionner. Elle a démissionné de son poste. Elle me dit, parce que quand je l'ai donné là, elle a senti que vraiment c'était la bonne décision à prendre. Donc je peux vous dire que même avec les non-chrétiens, que ce soit, je vais raconter, que ce soit dans ma famille, que ce soit les gens autour de nous, même avec les non-chrétiens, quand on vit rempli par l'esprit là, je suis que je peux vous donner tous les versets. Il y a mon corps en fait plein de versets, il y en a tellement. Mais vous les connaissez déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que j'apporte aujourd'hui. C'est vraiment un encouragement. C'est que le Seigneur veut que marchons par l'esprit. Et marcher par l'esprit n'est pas théorique. C'est quand tu vas sortir d'ici. Là. Peut-être demain, appelle tel, va saluer tel, je ne sais pas, mais quoi tel et tout. Tout ça, c'est l'esprit. Il n'y a rien de trop. Et comme Jésus a dit, si tu obéis dans les petites choses, Dieu va te conduire de plus grandes choses. Ça peut être même que. Amen. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Comment cette semaine ça m'est arrivé? Je prends ma Bible. Je dis, oh, lis ta Bible. Ok. Oh, je ne vais pas te séduire et tout. Et puis, on dit, Jésus, ah, un épisode. Et puis, je dis, ma vie, c'est bon. Oh, ne fais pas ça. Dès que je commence à me dire, non, tu ne Donc, je te laisse, c'est vraiment un encouragement, le message que j'ai ce matin pour nous tous. Comme je vous dis là, c'est plein de versets bibliques, j'ai plein de versets bibliques que je pourrais vous donner sur l'esprit. Mais si on les connaît, quand on les met en pratique, il y a rien qui change. On va sortir d'ici encore pareil. Donc, vraiment, le message, mon message ce matin, c'est vraiment de grandir par l'esprit. Et ça passe par l'obéissance et la soumission à l'esprit. Et il n'y a pas 36 000 versets là. 36 000 versets. Et chacun de vous, je vous dis, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Va demander pardon. Va essayer. Va faire ceci. C'est des choses que la chair n'aime pas. C'est des choses que ça ne tente pas d'appeler tel. Ça ne tente pas de faire ceci et tout. Mais plus tu obéis. Et il y a une joie. C'est, on n'obéit pas seulement parce que je vous assure chaque fois que j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Oh, la joie de ça. Au Cameroun, la joie de ça, c'est l'expression. La joie qui découle de ça, ça n'a pas de nom. Je ne peux pas vous expliquer cette joie. Et une autre histoire, il y a cela deux semaines, j'étais à un autre témoignage, j'étais à un homme, à Jansaga, j'étais allé quoi, j'étais le quoi, il m'appelle le quoi, le moyen faut du quoi, un moment de pas. Donc, j'ai pris mon vélo, je suis allée à Jantaga, c'est juste à côté. J'arrive à Jantaga, je vois les femmes qui marchent, qui ont mal au dos. Elle, c'est vraiment comme ça, là. Je sais pas, j'ai mal au dos. Ok. Et puis, je suis là, dans le monde, je dis, Seigneur, là, j'aimerais tellement prier pour elle. Je dis, Seigneur, si tu veux que je prie pour elle, j'aimerais que. Là, tu sais, on n'a pas besoin d'attendre le soir pour aller prier. Enfin, là, sur le haut, alors que j'étais en ligne, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je prie. Que j'avais vu devant elle à sa caisse. Et donc, les gens passaient après. Elle m'a appelé, comme le ciel à sa caisse. Et je là, je n'ai plus le choix. J'arrive à sa caisse. On commence, je dis, qu'est-ce que tu as au dos? Elle m'explique, elle m'explique, elle m'a au dos et tout. Alors, il passe mon produit, il met le prix. Je dis, non, c'était marqué 2 pour 2.
$2.50, il y a $1 de plus, là, est-ce qu'on peut vérifier? Et donc, elle appelle quelqu'un pour vérifier. Pendant que la personne est en train de vérifier, je parle avec elle. Je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit oui. Alors, je mets ma main dans les demandes. En fait, il y a plein de quêtes, des enchaînes. Je mets ma main sur son dos, je me mets à prier pour elle. Et pendant que je prie pour elle, je sens une chaleur monter. Je lui dis, est-ce que tu sens la chaleur? Elle me dit oui. Je dis que elle me dit qu'elle sent la chaleur. Moi-même, ma main posée, j'ai souvent senti ça. Je lui dis que moi aussi, je sens la chaleur. Et après, je commence à prier. Je lui dis que c'est Jésus qui est en train de te guérir. Je commence à prier, à prier, à prier et tout. Après, elle s'est un peu. Elle me dit, ah, Seigneur, Seigneur. Je dis oui. J'ai continué à prier et tout. Et puis après, on s'est séparé. Donc, c'est pour. Donc, c'est des petits exemples comme ça que ne soyons pas indifférents. C'est-à-dire que tu marches en route, tu vois quelqu'un dans ton cœur, ça dit, hey, je pourrais prier pour cette personne. Fais-le! Prends ton courage et dis bonjour, est-ce que je peux prier pour toi et tout? Est-ce que je peux prier pour toi? Même s'il n'y a rien qui se passe, l'obéissance à Dieu, le fait d'avoir obéi à Dieu, ça porte du fruit. Je vous assure, il y a une joie immense à obéir à Dieu. Donc, je sais plus, je continue. Mais si elles ne m'ont pas au point, je veux dire qu'il y a quelque chose sur laquelle je vais insister. Oui, l'obéissance, je parlais de l'obéissance, le Saint-Esprit constamment avec nous. Puisqu'on obéit, voilà. Voilà, une autre chose que je vais m'arrêter là pour parler des dons. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient à nous, il vient avec les dons. Les dons nous sont donnés. Et le don, c'est un don. Donc, tu sais, je te donne le don de faire ceci. Et l'autre chose, on peut demander aussi les dons, hein. Aspirer, la Bible dit aspirer. Si tu vois un don qui t'intéresse, tu as le don d'encouragement, le don d'hospitalité, le don de diriger, le don de faire ceci, tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux le don de ceci. Je veux le don, tel don. Tu peux demander. Et le Saint-Esprit vient aussi avec le fruit de l'esprit. Tout le monde le connaît. La paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, tout. Et c'est des choses que, quand on a toutes ces choses à nous, je pense que c'est un moment agréable à vivre. Quelqu'un qui est rempli de joie, qui est rempli de paix. Et quand ça entoure les personnes, ça fait du bien. Donc, nous-mêmes, que ce soit notre. Notre vie personnelle, je peux prier, Seigneur, remplis-moi. S'il y a un fruit que tu vois pas, moi je prie toujours pour la douceur. Seigneur, donne-moi d'être plus douce avec mes enfants. Donne-moi la colère, moi, l'aide d'éducation et tout. Donne-moi d'être plus douce. Tous ces fruits de l'esprit, ça fait de nous des personnes agréables. Donc, Dieu nous donne ses dons et les dons aussi. Les dons, c'est pour le service commun. Quand Dieu vous donne un don, par exemple, chanter, ça bénit tout le monde. Il n'y a aucun don qui est pour toi seul, c'est dans ta maison. Non. Le don, c'est pour bénir, c'est pour servir. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il garde ses dons, ça nous permet de bénir. Ah, j'ai fait un peu. Ok. Bon, je vais te passer en ligne. Bon, sinon, c'est le dernier? Non. Ah oui, yeah, ok. Donc, oui, dans les dons aussi, parler. En fait, dans ce qu'on dit Galate, on va parler des œuvres de la chair. Tout ce qui est opposé à la chair, tout ce qui vient avec la chair et tout. Donc, on sait que ça, c'est... Mais comme une autre chose sur laquelle aussi je voulais dire, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls. Ce n'est pas comme si je dois travailler fort pour avoir ceci, les autres. Oui, j'ai mon part. Mon part, moi, je pense que moi, mon travail, Alice, c'est d'aller dans la présence de Dieu, de prier, de l'adoration, la louange et tout. Et comme je dis, ne prions pas seulement à 6h le matin ou à 20h le soir quand on dort. Quand vous marchez dans la rue, quand vous faites ceci, un chant vous vient à cœur et tout. Moi, il m'est arrivé parfois de mettre mes écouteurs, je lève les mains dans ma chambre, dans ma voiture, dans mon ceci. Comme on a dit, l'adoration, ça devient votre vie, vous vivez et Dieu va vous parler à tout moment. Amen. Donc, ça, je prie pour telle, fais ceci, fais cela et tout. Et comme tu disais, Dieu nous donne la force. Ce n'est pas que, ne dis pas, oh non, ce n'est pas ça, ceci. Demandez à Dieu. Moi, je dis, Seigneur, dans ma, je te laisse absolument, mais depuis l'été, là, tu manges, faut que tu arrives à Jésus. Et chaque fois, je dis, Seigneur, donne-moi la force de gêner, donne-moi la force de Seigneur. Donne-moi, je demande la force à Dieu pour tout. Donne-moi la force de pardonner. Il y a tel
certaines choses, je n'arrive pas à dire. J'ai déjà demandé pardon, mais je sens que chaque fois, ça revient dans mon cœur. Seigneur, donne-moi la force de pardonner, donne-moi la force de rester, donne-moi la force. Donc, priez Dieu vraiment comme votre ami, quelqu'un qui est là, le Saint-Esprit est là pour vous aider, donc à marcher pour grandir. Tu peux continuer un peu, je ne sais pas si. Ouais, c'est. J'avais trouvé ça intéressant, c'est avec les jeunes qui partageaient ça. Elle avait dit quelque part, elle dit joy is love, rejoice in peace is love at rest, patience is love awaiting, kindness is love interacting, goodness is love initiating, faithfulness is love keeping its word, gentleness is love empathy. Self-compose is not resisting temptation. Elle voulait illustrer par là le fait qu'il y a l'amour dans tout, dans le sujet de l'esprit. Tout part par l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Parce que l'amour part dans tout. Ok. Donc voilà. Donc en tant qu'amour dans Dieu, Dieu parle toujours. Comme je voulais montrer avec tous les exemples. Il y a des exemples que je voulais montrer. Ce n'est pas des exemples comme trop spirituels. C'est vraiment dans le bien qui guérit, dans la vie de tous les jours. Donc, soyons sensibles à cette voix. Prions pour grandir. Seigneur, moi, je n'entends plus ta voix. Donne-moi d'être sensible à ta voix. Aide-moi à grandir. Moi, je suis rendue à l'état, Seigneur. Dépendamment de quel état vous êtes, on est tous en marche. Quel état de la vie chrétienne, on est tous en marche. C'est bien correct. Dépendamment de l'état que vous êtes. Moi, je suis dans l'état, Seigneur, je veux obéir promptement. Moi, je suis dans l'état, Seigneur, je veux obéir. Quand tu me parles, quand tu me dis ceci et tout, je veux obéir, que ce soit pour ma vie ou bien pour les autres, je veux obéir. Parfois, Dieu va me dire, je m'en dis, pardon, on va faire ceci, tu t'es mal comporté et tout. Même envers mes collègues, quand j'avais, parfois, une fois, j'avais été un collègue. Ah, mon Dieu, c'est habillé comment ça prend de moi aujourd'hui. Et puis, ça va se demander, depuis que je demandais pardon. Merci beaucoup à Bismarck d'être venu. Amen. Parce que moi, j'ai été venu. Peut-être que si ce n'est pas assez important pour toi, on va chercher que notre temps pour que le Saint-Esprit puisse nous enseigner. Est-ce qu'il reste de mettre en pratique ce que nous avons entendu? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? C'est de dire, si on veut en se bien, la parole se tient, mais c'est plus bien de le mettre en pratique. Et je ne dis pas que c'est vraiment facile, ce que le Seigneur nous demande, mais quand on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est ça qu'on trouve de la joie. Amen. C'est pas juste l'enfant, ça peut être difficile à le mettre en pratique, mais quand on le fait, vous avez passé, j'ai un ami qui me disait que il n'aime pas assez l'argent, il travaille chaque fois pour avoir un costume. Il voit les gens mettre les costumes. Et puis un jour, il arrive là. Quelqu'un, il était un affecteur à l'Européen. Et puis quelqu'un lui a envoyé l'argent. Ah, les costumes, il est parti acheter les costumes. Et il me disait, quand il est entré dans le bus, il a entendu Dieu dire, va donner ses costumes à telle personne. Il a commencé par le petit mot. Ça fait combien d'années qu'il cherche ce costume-là? Quand on lui a donné, il se battait là. Il n'a pas dormi. Et puis il a pas eu la paix jusqu'à ce qu'il a donné le costume à la personne. Quand je lui ai donné le costume, je me suis senti libéré. Et puis là, après, il était immobilisé.
Tu sais combien il y a de personnes qui disent, je ne t'ai pas compté. Après, j'ai investi des costumes, des costumes, des costumes, des costumes. Amen. Mais c'est difficile de faire le premier pas. Tu vois, c'est tu entends le Seigneur, mais Dieu nous dit, c'est lui qui entend la parole et ne fait pas, et ne met pas en pratique. La Bible nous dit comment il ressent. Alors, je ne veux pas qu'une soirée, qu'une ressemble avec quelqu'un qui a bâti, donc la maison sur ça. Alors, maintenant, comment est-ce que nous allons bâtir la maison sur le roche? Nous avons une semaine pour pratiquer ça. Après, il y aura une deuxième semaine, une troisième semaine. On va dire, oh, c'était bien avant aujourd'hui, merci, allez, c'était bien, mais entre maintenant et le temps qui vient. Alors, on va le faire, ok? Amen, amen. Merci. On va se lever, on va se mettre de pied, on va prier pour prier. Et merci Seigneur pour ta parole. Nous te remercions pour ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour la belle et la bonne parole que tu aimes bien, Seigneur. Ton Saint-Esprit qui marche avec nous, il va nous aider aussi à mettre en pratique ce que tu dis, Seigneur. Seigneur, je prie pour la bénédiction de tout le monde, pour chaque enfant ici, Seigneur. Que tu aimes ton parole. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, pour le bonheur et la grâce que tu dois avec nous. Amen. Merci infiniment Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis.